Bonsoir, mes jeunes étudiants. Nous ferons, inshallah, l'exercice de français, page 11. Iden, nous parlons de ma nouvelle famille. Je suis un enfant du Nigeria. J'ai 6 ans. Ma famille est arrivée au Maroc avant ma naissance. Paul, mon père est ouvrier agricole. Ma mère travaille dans une usine de confection. Ce matin, c'est la rentrée des classes. Je suis déjà inscrite. Mes parents me déposent devant la porte de l'école et repartent à leur travail. J'avance un petit pas, timide, inquiète. Dans la cour, il y a des enfants, ou bien des élèves, des papas et des mamans. Moi, je suis seul. Mon regard tombe soudain sur un garçon et une fille qui attendent au pied d'un arbre. Je m'approche d'eux, je les regarde sans dire un mot. « Bonjour, dit la fille, je suis Amina, et voici mon frère Omar. »« Tu as une nouvelle ?»« Oui, répondis-je. »« Comment tu t'appelles ?» demande le garçon. « Isabelle. J'ai 6 ans, je suis né au Maroc. » Mes parents sont du Nigeria. Ils travaillent tous les deux. Bienvenue Isabelle. Tu vas voir beaucoup de camarades. Ici, nous sommes une grande famille. Enfin, je suis rassuré. J'attends avec impatience d'entrer en classe. Je ne me sens pas dépaysé du tout. يعني نقوم بشرح بعض المرادفات يعني ouvrier agricole c'est ouvrier qui travaille dans une exploitation agricole يعني خدام في الفلاحة أو عامل زراعي une usine de confection ومصنع ملابس تيميد يعني خجول امباسيون يعني نفاد الصبر ديبيزي يعني مرتبك اذا ندوزو للتمرين الاول اذا نمرو للتمرين الاول J'observe et je découvre. Le titre, l'image, le texte, l'auteur. À partir de l'image, je devine la situation. Quels sont les personnages représentés? Sont-ils du même sexe? Il est un choix de soi. Quels sont les personnages représentés? Les personnages représentés sont Isabelle, Amina et Omar. Sont-ils de même sexe? Non, elles sont deux filles et un garçon. Je manipule et je réfléchis. Je relève les noms des personnages des textes. Les noms des personnages des textes sont Isabelle, Amina et Omar. Je note l'endroit où se trouvent les personnages. Les personnages se trouvent dans la cour des classes. Je relève dans le texte les mots qui montrent que Isabelle est bien russe. Les mots qui montrent dans le texte que Isabelle est bien russe, c'est Bienvenue Isabelle, tu vas avoir beaucoup de camarades. Ici, nous sommes une grande famille. J'indique la nationalité d'Isabelle. Isabelle est une nationalité nigérienne.
إذا التمرين الثالث جوتين عندنا واحد السؤال يعني في الآخر. جو شيرش دون لو ديكسيونير لا سينيفيكاسيون دي مو بيانفوني دي بيزي. إذا لا سينيفيكاسيون دي مو بيانفوني سي أريفي دو كيلكان كي أكوي أفيك جو. Des pays, si des orientés par un changement de décor, ou bien de milieu, ou bien d'habitude. تمرين رقم أربعة. يعني je m'entraîne, je réécris le début des textes de je suis à sans dire un mot en remplaçant je par elle. يعني بداو texte من يعني من je حتى sans dire un mot ونبدلو je بال. اذا غادي نبداو il est un enfant du Nigeria, il a 6 ans, sa famille est arrivée au Maroc avant sa naissance. Paul, son père, est ouvrier agricole. Sa mère travaille dans une usine de confection. Ce matin, c'est la rentrée de classe. Il est déjà inscrit. Ses parents se déposent devant la porte de l'école et partent à leur travail. Il avance à petits pas, timide, inquiet. Dans la cour, il y a des élèves, des papas, des mamans, lui est seul.